Et donc salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, tout à fait, ça fait deux fois que je le dis. Et aujourd'hui donc c'est le World Tour défi que je vais effectuer donc. Un défi qui m'a été, enfin qui a été inventé par Hugo Lapet, donc voilà. Et qui m'a, donc j'ai été nominé par Bat, donc merci à toi. Et attendez, je m'en mets en survie, voilà. Donc ce défi en fait ça consiste en fait à faire un aller-retour d'un côté de la map à l'autre, de faire haut en bas le plus rapidement possible. Donc tout le monde a commencé en bas, moi anticonformiste que je suis remonté en haut parce que voilà. Et du coup faut faire ça le plus rapidement possible avec un site donné. Alors attendez, je sais plus où j'ai mis ma montre, du coup je peux pas chronométrer. RT si c'est triste. Petite ellipse hein. Et donc voilà, c'est ma montre, hein, voilà. Donc attendez, il faut bien se mettre sur le bord. Donc le but c'est de remonter, donc on va remonter comme ceci. Attendez, au pire, non, c'est bon, ça m'a saoulé. On va aller dans la jungle parce qu'on est des putains de thugs. Alors, 3, 2, 1. Oh putain, ça a commencé, on a plus le temps. Mais voilà, j'ai bougé la caméra, j'ai perdu de précieuses secondes. Faut se mettre en créatif, hein, enfin en pacifique, je veux dire. Sinon c'est pas drôle. Alors le record je crois que c'est 3 minutes une connerie comme ça, mais bon je sais pas trop comment il a fait. Je crois que c'est Bat parce que je crois que le seul vidéo du World Tour Défi c'est celle de Bat et que j'ai regardé hein. Et donc bah, je crois qu'il avait fait 3 minutes un truc comme ça, du coup bah, j'essaie de faire pareil. Pour l'instant on gère plutôt, c'est parce qu'on est ça si on est sur le toit des uns. What the fuck. Merci. Donc bah voilà hein, écoutez voilà. Cadrage, merci. Je sais pas si le cadrage est bien en ce moment, je trouve pas qu'il est excellent. J'essaie quand même de le recadrer un minimum grâce à mon logiciel de montage, voilà. Parce que genre quand il y a un petit peu de noir sur le côté, bah je recadre sur Sony Vegas. Bref. Alors, où est-ce qu'on en est? 1 minute, non pas du tout, 1 minute 16 de vidéo, on n'est pas du tout avancé, très bien. C'est un peu stupide ce défi. Dire alors tu fais l'aller-retour. Enfin non, tu fais l'aller et c'est tout. Ça passe le temps. Non, putain, je perds du temps là. Je perds du temps, putain, c'est pas bien ça. Pire, voilà, c'est la compétition, voilà. Pas que voilà. Du coup, je voudrais un petit peu qu'on parle un petit peu d'une polémique. Oui, parce que je fais rentrer des polémiques. Restez, par contre, c'est intéressant. C'est sur la PSVT justement. Puisque a eu lieu, je crois, hier. Bah, pour moi, c'est hier. Et pour vous, vu que vous verrez ça dimanche. Bah, oh, une faille. Vu que vous verrez ça dimanche, bah, c'était lundi, quoi. Il y a eu ça, il a été annoncé sur PS4 Gravity Rush 2, donc Gravity Rush 2 un jeu que j'attendais réellement, genre trop bien s'il était là. Mais il a été annoncé sur PS4 mais pas sur PS Vita, bordel de merde. Donc j'étais assez triste quand j'ai entendu ça parce que genre je l'avais adoré le 1, l'ambiance tout ça, ça m'avait trop plu. Du coup, bah, j'ai été trop triste quand ils ont annoncé que le 2 serait que sur PS4. Et en plus, comble du comble, ça c'est une preuve que Sony abandonne réellement sa PS Vita. C'est qu'ils vont ressortir un remake du 1 sur PS4. Donc, c'est-à-dire les mecs qui n'ont même pas acheté de PS Vita, ils ont quand même droit à Gravity Rush. Et nous, on n'a pas droit à celui sur PS Vita. Alors que normalement, là-bas, c'était une exclu PS Vita, je vous le rappelle. Du coup franchement ça m'a réellement saoulé quand j'ai entendu ça, je me dis putain de merde mais c'est ils ont réellement abandonné la Vita quoi. C'est triste putain franchement sérieux. Et par contre une petite bonne nouvelle aussi d'annonce de TGS, on a eu d'annoncer Toukiden 2, donc moi qui ai adoré Toukiden Kiwami, d'ailleurs j'ai même pas fini. Enfin, peut-être que je vais m'y remettre. Bon il y a MGS5, bref. Faudrait que je me remette à Toukiden Kiwami parce qu'il y a Toukiden 2 qui a été annoncé et franchement lui par contre il m'avait réellement plu. Bon, à part ça, bon, il n'y a pas eu grande chose. Il y a eu World of Final Fantasy qui a été confirmé, hein, avec des belles images. Je pense que je le prendrai, lui, parce qu'il est plutôt stylé. Ah, plutôt mignon, je trouve, d'être dans le monde de Final Fantasy, mais sans les graphismes de Final Fantasy. En plus, je pense qu'ils vont être bien adaptés sur Vita, ça va être bien. Ah, bah, en fait, attendez, ma PS Vita, elle est carrément basse. Oui, bah, c'est bon, vous voyez pas les commandes, ça vous gêne, s'il vous plaît. Non. Bref, bah, voilà un petit peu ce qui s'est passé dans le monde de la PS Vita, ça nous a permis de passer plus vite ce défi. Non, je sais pas, je voulais réellement parler de ça parce que, genre, ça m'a trop saoulé. Gravity Rush 2, quoi, please, je l'attendais depuis longtemps, bordel.
Je sais pas pourquoi ils l'ont annulé, je pense qu'ils l'ont annulé parce que sur PS4 de toute façon c'est pas les mêmes graphismes. Mais oh putain, on arrive à la mer! Ah, c'est fini! Vite, quel temps on a fait? Hop, on a fait 3 minutes 37 et 41 centièmes. Bah écoutez, c'est un bon score, il me semble. Attendez, je vais voir combien il a fait battre parce que j'étais sur sa vidéo du coup, puisque je voulais voir le seed. Ah oui, parce que c'est un seed limité, je crois que je l'ai dit. Il a fait combien? 3 minutes 20, c'est un psychopathe. Attendez. Ouais, il a fait 3 minutes 20. Ok, très bien, parfait, je me suis fait pisser dessus. Non, j'ai fait combien? 3 minutes 37, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà, bah du coup, c'est la fin de cette vidéo. World Tour Défi, j'ai fait 37 secondes. 3 minutes 37, c'est pas mal, même si j'ai pas battu Bats. Voilà. En tout cas, c'était cool de parler vite fait de ce petit Gravity Rush 2 annulé, malheureusement. Putain, ça m'a trop foutu en rein hier. Il était sur Twitter. Parce que je sais pas, genre Gravity Rush 2, ça veut dire qu'ils ont réellement abandonné la Vita, ça c'est vraiment triste. Bon, il y a aussi pas mal de jeux qui sortent, il y a Resident Evil qui est sorti récemment, franchement voilà. Mais bon, c'est quand même triste quoi. Et bah du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires hein, de cette polémique. Je voulais vraiment parler de ça, genre dans une vidéo de solo, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau de ceux que je vais nominer, bah tiens, je vais nominer des gens au hasard parce que j'ai absolument aucune idée de qui nominer. Alors allez, sur ma chaîne, hop, oh non, ça, cadrage. Alors sur ma chaîne, où est-ce que je peux aller voir pour voir? Peut-être sur ma dernière vidéo. Non, il n'y a pas eu de commentaires, je crois. Enfin, il n'y en a pas eu beaucoup. Parce que je vais prendre en fonction des commentaires. Alors, sur ma vidéo Chip Défi, tiens. Putain, on enchaîne les défis, c'est totalement dingue. Alors, sur ma vidéo Chip Défi, ben, je vais nominer RubixCraft97Q. De toute façon, je le connais bien. Donc je te nomine. Bon, il y a de l'orage chez moi. Là, je viens de voir un éclair, c'est pour ça. Je nomine également. Je nomine également. Je sais pas du tout. Bon, alors je nomine RubixCraft97Q. Putain, j'ai fermé mon Chrome. Parfait, excellent. Et c'est tout. Donc si vous voulez faire un défi, libre à vous. Vous mettez le lien dans les commentaires, j'irai voir votre vidéo et mettre un pouce rouge. Je déconne bien évidemment. Bref, n'oubliez pas de me mettre donc le lien de la vidéo que vous avez faite si vous en faites une. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la polémique de Gravity Rush 2 qui ne sera pas présent sur Vita. Et n'oublie pas le petit like bien évidemment parce que ça fait plaisir des petits likes, voilà, et putain de merde c'est quoi ce truc. Ça fait plaisir les petits likes, n'oublie pas le petit commentaire qui fait plaisir, et bah moi je vous dis à plus tout le monde.